le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger. L'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin. De là, il se partageait pour former quatre bras. Le Seigneur Dieu l'expulsa du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. On voit dans ce récit de la Genèse comment le Seigneur place l'homme dans un cadre idyllique. Ce jardin d'Éden, qui deviendra d'ailleurs pour nous l'image du paradis, avec à la fois cet arbre de la vie et puis cet arbre de la connaissance du bonheur et du malheur, nous dit la Tome, mais aussi du bien et du mal plus traditionnellement. Mais ça veut dire que l'homme est placé dans ce cadre harmonieux, dans ce cadre, de bonheur. Et puis nous avons ce verset où effectivement, après tout ce récit de la chute, ce fait d'avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme est expulsé du jardin d'Éden. Et il se retrouve dans une situation de labeur. Et ce qui va être une des grandes images justement dans la vision chrétienne, c'est que le Christ va venir nous réintroduire dans le jardin. Il va réouvrir les portes du jardin. Ces portes qui avaient été closes par le péché, par la chute d'Adam et d'Ève, sont ouvertes par la manifestation du Christ, par l'accomplissement de la mort et de la résurrection de Jésus. Le jardin d'Éden est de nouveau ouvert. Bonjour à tous. Alors, je vous souhaite la bienvenue à Éden. Donc, vous allez faire un voyage dans le temps. Durant cette visite guidée, je vais vous présenter la ville d'Éden, de l'ancienne Éden, telle qu'elle était au Moyen-Âge. Enfin, on va se l'imaginer, parce que de cette grande ville, il ne reste presque plus grand-chose. Il reste des murs au niveau des fossés sud et au niveau du château, quelques ruines. Tout le reste de l'ancienne ville est sous nos pieds. Il faut vous imaginer qu'ici, il y avait, avec ces faubourgs, il y avait environ 8500 habitants. La ville faisait à peu près 50 hectares. Le château au nord, et derrière ce château, il y avait un parc. Ça date de quelle époque, celui-là ? Eh bien là, ça date du Moyen-Âge, avant 1453. On est bien ici. Là, j'imagine bien ici, tu vois, le terrain, faire une grande fête médiévale en fait.
à l'intérieur du château. Mais tu vois, c'est... on voit le site, tu vois, ici, ça forme une cuvette, c'est marrant. Hein. Et on voit vraiment les limites du château. Hein. On entrait dans le château par ici. Par ici, on arrive dans la cour. Donc, la basse-cour sur le côté, à droite. La maison du châtelain collée contre la porte. Sur la gauche, la grande salle et la grande chapelle. Et la grande cour. Voilà, la disposition du château était comme ça. Here we are standing close to the northern edge of what must have been in the Middle Ages probably the greatest park in France, one of the greatest parks in all of Europe. An amazing place to be here on this wonderful sunny day. The park was constructed towards the end of the 13th century by Robert II, Count of Artois, and he had a vision. And what he essentially did was to build a whole landscape. He designed a landscape. Within the 14-kilometer circuit of the walls, there were, down towards the southern end, next to the castle, gardens, ponds, fountains, a menagerie, all of it very, very closely and carefully organized. Sous Philippe le Bon, le château n'était plus, comme à l'origine certainement, de forme rectangulaire, mais polygonale. Ce style de château, on peut le retrouver un peu partout en France. Hein. C'est, faut plus s'imaginer comme en étant vraiment une forteresse, mais un château aménagé avec des ouvertures, des grandes fenêtres et encore un système défensif, mais c'était plus la priorité. Va-t'en. D'enfant, j'ai toujours aimé la nature. Et j'étais à Paris, j'ai fait mes études à Paris. Enfant, je me sentais un peu en prison dans cette grande ville. Et alors là, c'était la grande joie, c'était de retrouver toute cette beauté de cet endroit qui était, on dit toujours, un petit bagatelle quand on est fier d'un jardin. Il était taillé comme bagatelle, entretenu comme bagatelle. Alors l'avenir, on commence à le voir un petit peu. Vous avez les fraisiers sur leur petite butte. Et vous avez, vous voyez ce rang de fumier qui vous paraît, bon, c'est pas du tout du fumier étalé. Dessous, nous avons les asperges qui demandent qu'une seule chose, c'est de sortir du sol. Il y a d'extraordinaire aussi dans ce jardin, c'est tous les bulbes que mes ancêtres ont plantés depuis mes beaux-parents, depuis des générations, que ces bulbes, on n'arrive jamais à les supprimer. Et au printemps, on a la surprise de voir les narcisses, les iris, les tulipes qui sortent d'une façon peut-être un peu incohérente, parce que c'est quelquefois au milieu des buis, mais ça n'a pas d'importance. C'est un petit coucou de la nature. Nous avons toujours ces mauvaises herbes qu'il faut trier. Et qu'on a toujours peur d'arracher la bonne, et je pense quelquefois à l'Évangile.
quand le Christ parle de émonder, ça c'est vrai que émonder, c'est retirer toutes les branches, les pousses qui arrivent au printemps et qui fait mourir l'arbre parce qu'il prend toute la sève. Et c'est vrai que si un arbre n'est pas taillé, s'il n'y a que des, je ne me rappelle plus comment on appelle ça, mais des branches qui prennent toute la sève, eh bien l'arbre meurt. Regardez comme le printemps arrive. Regardez, vous voyez, ça c'est... Là, vous avez les boutons des poires. Ça va être les futures poires et ça va être tout blanc. Ah, vous avez un endroit. Alors, vous voyez toutes ces différentes... Vous avez les fondations des tours. Donc, vous avez une... Voilà ce qui reste des fondations. Vous en avez une là, vous en avez une autre à côté. Et dans un mois, vous allez voir que cette tour va être couverte de glycines. Et c'est une période superbe. La Bible est la source d'inspiration des jardins et des parcs médiévaux d'Occident. Ils évoquent le paradis terrestre perdu, mais retrouvé par la grâce du Christ. Ce jardin d'Éden a inspiré les châteaux, les monastères et les abbayes. Divisé en quatre parties, en référence aux quatre fleuves du paradis, aux quatre évangiles, aux quatre saisons, le jardin médiéval se divise en potager, verger, jardin médicinal, jardin des délices, ou jardin d'amour de Dieu pour l'homme. Les jardins du paradis forment un type iconographique enchanteur et mystérieux dont le paradis Gärtlein est le plus beau fleuron. Avec tendresse et minutie, l'artiste alsacien qui peignit ce petit panneau de dévotion à l'aube du XVe siècle guide le spectateur du sous-bois vers la lumière. Moi, je trouve ce qui est bien réussi dans ce jardin, c'est qu'on s'y sent bien. Et le type iconographique des jardins du paradis a été très peu défini en réalité. Donc, c'est la seule définition que je connaisse, elle est quand même très, très, très formelle, c'est-à-dire toujours une vierge à l'enfant, assise la plupart du temps, non pas sur la banquette qu'on a essayé de rendre, la banquette médiévale, mais devant, puisqu'en fait, ce sont des vierges d'humilité, les jardins du paradis. Et donc, ce jardin invite à l'humilité aussi, puisqu'on se sent quand même tout petit, mais en même temps, on se sent protégé. Donc, moi, je pensais que le critère plus astucieux, si je puis dire, plus juste, c'est que les jardins du paradis sont des transcriptions de la confiance en Dieu. Effectivement, il y a une fontaine, bon, pas du tout au centre quand même, mais au premier plan, malgré tout. Et puis, il y a l'oiseau principal, si je puis dire, le martin pêcheur, qui quand même est toujours lié à l'eau. Alors, une chose qu'on voit très mal, c'est que le martin pêcheur tient un poisson dans le bec et qu'il y a des petits poissons qui s'échappent par la rigole. C'est-à-dire une chose vraiment intéressante dans ce bassin, parce qu'on ne peut peut-être pas parler vraiment de fontaine, c'est qu'à la fois, il est quand même très modeste. Il rappelle le tombeau du Christ, ça c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant quand je l'ai lu. Et en même temps, il rappelle la parole bien connue de Jésus, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Une autre trouvaille iconographique est que la cueilleuse a une écharpe qui vole légèrement. Donc on peut imaginer qu'il y a une sorte de brise qui souffle dans ce jardin, mais une brise agréable évidemment, qui n'abîme pas du tout les fleurs. Et peut-être que l'écharpe qui vole a comme intérêt de faire voler, si je puis dire, de soulever légèrement une des pages du livre que lit Marie.
Et donc, on voit qu'il y a des caractères hébraïques. Donc, Marie est en train de lire le fait que les Écritures vont s'accomplir. Et évidemment, les Écritures vont s'accomplir par le sacrifice du Christ. Le Cantique des Cantiques est une référence centrale dans la composition du jardin médiéval. Le poème évoque la fiancée de Salomon, comparée à une source, à un jardin clos. La tradition chrétienne y verra l'image de la Vierge Marie. Cet espace clos peut s'entendre comme une parabole de la vie intérieure, de notre jardin secret, où se mélangent patience, émerveillement, guérison, paix, nourriture terrestre et spirituelle, tout à la fois reçu de Dieu et fruit de nos efforts. Du Cantique des Cantiques, tu es un jardin verrouillé, ma sœur, ô fiancée, une source verrouillée, une fontaine scellée. Nous avons dans cette traduction de la Tobe le terme verrouillé. Traditionnellement, on parle plutôt d'un jardin clos. Et je pense que c'est peut-être pas tout à fait pareil. Un verrouillé évoque, pour moi personnellement, trop l'idée d'un cadenas. Et voilà. C'est donc quelque chose qui va devenir inaccessible. Que l'idée de clôture pour un jardin évoque plutôt la protection. Il y a une chose de sûre, c'est que, enfin, pour moi, être chrétien, c'est pas s'enfermer dans quelque chose de verrouillé. Ça me paraît vraiment contre-productif, si je puis dire. Il y a beaucoup de jardins du paradis qui sont vraiment clos. Vraiment. Alors, la perspective, c'est toujours plus ou moins une plongée. Par exemple, ici, où est le spectateur, on peut se poser la question. C'est comme un peu s'y regarder entre les créneaux, les autres créneaux. Chacun a son jardin clos. Et que je dois respecter aussi le jardin clos de mon voisin. Mais donc, il y a ce lieu, ce jardin de chacun qui doit être respecté. Mais aussi, on voit qu'avec ce jardin clos, eh bien, il y a peut-être une dimension de forcer l'entrée du jardin. Il y a soit trouver la porte, soit trouver la clé de la porte, soit escalader le mur. Chacun suivant son histoire, sa vie spirituelle, va entrer dans ce jardin d'une manière différente.
gradually, the garden, the park, all of its amazing features are forgotten about. So today you drive through it and you will see nothing. You have to get off the road, you have to walk out into the fields along by the river, and then you begin to appreciate some of the magic of Hesdin. For example, earlier on today, we were out in the field and we were able to find just a small patch of stone which may well have been the site of one of those fountains. And this itself is for us something like a quest. Still haven't found anything medieval yet. Oh, that's an interesting piece. And this in itself is a very spiritual process. It's almost as if we are looking for our own little bit of paradise, our own Garden of Eden, perhaps. C'est désolant hein, lorsqu'on arrive dans les premiers jours, quand on voit tout le travail qu'il y a à faire. Mais enfin. Le jardin était divisé en différentes parties. Pour faire le jardin d'Éden, on s'est inspiré du jardin d'Éden, des ducs de Bourgogne et de Philippe le Bon. C'était un jardin extraordinaire, magnifique. Il y avait environ 1000 hectares. Il y avait les jardins potagers, les vignobles, les vergers, les jardins clos avec tonnelles et kiosques, les roseraies, fontaines et statues, tressages et taupières, loges couvertes de vignes et feuillages, un labyrinthe de vignes, des animaux vivants tels les ours, les paons, les cygnes, les chameaux, les perroquets, les sangliers, les cerfs. On est complètement sur le site du jardin qui existait à l'époque de Philippe le Bon. Ici, c'est la plantation que nous avons faite l'année dernière. Que des plantes tapissantes, des géraniums, et il y en a différentes couleurs, et des lamiers, et des roses pâles et des roses foncées, et des lamiers. Je pense que ce coin ici, il va être très bien. On a cherché à recréer quelque chose qui était tout à fait, sans être à l'identique, mais qui était dans l'esprit de Philippe le Bon. Donc ici, c'était le jardin des mille fleurs. Il a été un peu redessiné parce que les mille fleurs c'est un joli nom, mais l'entretien est très très difficile. Donc un jardin médiéval n'est pas comme tous les jardins en fin de compte. Hein. C'est faut qu'il soit entretenu, mais toute plante à sa place. Toute plante à sa place. Donc on a au pied des arbres fruitiers ici un pommier. L'alchimile, qui était bien sûr très indispensable au Moyen-Âge pour les chimistes, qui récupéraient la gouttelette sur l'alchimile pour justement avoir une eau très pure, puisqu'elle vient de l'évaporation de la plante. Les gens se sont trop habitués à voir des jardins nickel, standardisés, alors que le médiéval, c'est pas ça, c'est beaucoup de relief, beaucoup de plantes que justement les gens n'aiment pas avoir chez eux. La ronce, l'ortie, donc ça c'est des plantes médiévales. Hein. La ronce est signe de prolificité dans le jardin médiéval, donc
Elle a tout à fait sa place dans le parc. Le jardin est le lieu de l'amour et du salut. Amour sacré, amour total du Christ au jardin des Oliviers, lieu de la passion et de la résurrection. Jardin où les moines méditent sur le salut du monde. Amour et salut profane aussi. Au jardin sont les fêtes et les plaisirs, l'agrément et l'apaisement, les plantes qui guérissent et les fleurs qui enivrent. L'unique amour est sacré et profane. Ayant ainsi parlé, Jésus s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec ses disciples. Or, Judas qui le livrait connaissait l'endroit, car Jésus y avait maintes fois réuni ses disciples. Nous voyons dans ce jardin que les synoptiques, dont les synoptiques nous donnent le nom, Gethsémani, que c'était aussi un lieu d'intimité entre Jésus et ses disciples. C'est un lieu habituel qu'il fréquente et où Jésus, nous dit Jean, avait maintes fois réuni ses disciples. Donc c'est un lieu de communion entre Jésus et ses disciples. C'est important de voir que ce n'est pas n'importe quel jardin dans les environs de Jérusalem, mais un lieu où ils ont l'habitude de se retrouver dans cette communion. C'est un lieu que l'on doit aussi situer par rapport à un autre événement qui précède. Lorsque Jésus pleure sur Jérusalem, le site de Gethsémani est juste au pied du mont des Oliviers, et Jésus pleure sur Jérusalem au-dessus de Gethsémani. Et cela, c'est pour nous aider à comprendre ce qui va se passer à Gethsémani. Même si l'évangéliste Jean ne nous raconte pas la prière de Jésus, son agonie, comme on dit traditionnellement, ce lieu de Gethsémani est le lieu où Jésus va dire oui à l'accomplissement du Père. We're standing very close to the site of what most authorities regard as the location for the famous Marsh Pavilion. This is the extraordinary structure which appears in a well-known painting. And it shows a timber building which is supported on four massive timber piles, which seems to be standing out in a pool. And we know from other references that the pool was created by broadening out the flow of the River Ternois, which is just beside us here. And the structure was therefore surrounded by water. We know that some of the watercourses were paved, which is why I've just been down in the stream having a look at some brickwork down there. I believe the original paving was in stone, but it's always worth checking. And this pavilion in the marsh was essentially a location where people could come. There would be hunting going on. Sometimes there would be festivals in the fields around. There would be feasting. And it was all in all a very magnificent structure. Thank you.
L'une des caractéristiques du jardin médiéval, alors on va parler plutôt des jardins monastiques ou au sein d'abbayes, ce sont des jardins clos. En fait, le cloître était ce vaste jardin. Donc il y a bien une similitude entre le cloître, ce lieu clos qui est dédié à la vie religieuse, monastique, canoniale et donc spirituelle, et le jardin. Donc il y a de grandes similitudes. L'eau est omniprésente, bien évidemment, avec la symbolique, la fontaine de vie régénérante, donc voilà. Également les quatre points cardinaux, le carré qui est aussi très présent quand on parle des carrés de simples, donc des plantes médicinales qui étaient cultivées la plupart du temps au sein du cloître, on est toujours dans cette relation au divin. Ici, il y avait des jardins. On a malheureusement très peu de documents ou des documents extrêmement lacunaires qui font mention du travail des malades. Les malades qui sont accueillis, nourris, blanchis au sein de l'abbaye et des hôpitaux de l'ordre. On imagine ces jardins à travers les plantes qui sont cultivées puisque ces plantes sont utilisées pour à la fois des médicaments, on parle de médicaments un peu plus tardivement certes, ce qui semble évident puisque ces hospitaliers soignaient à partir des plantes et que dans la pharmacopée des hospitaliers, il y avait aussi bien des plantes dites sauvages telles que le plantain ou les coquelicots et autres pavots et des plantes qui, elles, étaient cultivées telles que le chou, telles que les blettes, plus tardivement les artichauts, mais voilà, donc des sauges, des deux espèces, etc. Voilà, elle se situera comme ça. C'est-à-dire que ça, ce sera au ras de l'eau. C'est vrai qu'on ne pouvait pas concevoir des espaces muséographiques sans jardin. Donc nous avons effectivement un espace arabo-andalou, un espace consacré au simple, un espace qui évoque plutôt le jardin du paradis et un espace qui évoque plutôt le jardin du parfumeur. Un espace, enfin, qui fait le lien entre Orient et Occident de plantes méditerranéennes. Donc c'est une réinterprétation de jardins médiévaux à partir d'une iconographie très riche, que ce soit le Paradiesgärtlein pour le jardin du paradis, voilà. Petit à petit, je me suis devenue amie avec Géraldine Mosselin. Elle m'a fait l'amitié de me demander de m'inspirer pour un quart du jardin du Paradiesgärtlein. C'est comme ça que nous avons eu l'idée, alors évidemment, de transposer. Donc les créneaux dans le jardin sont des sortes de créneaux végétaux. Et puis on n'a pas pu garder évidemment toutes les plantes, puisque vous me parliez tout à l'heure du temps. Eh bien, une caractéristique du jardin, c'est que tout fleurit en même temps et que malheureusement sur Terre, on n'a pas pu y arriver. Donc évidemment, ce ne sont pas exactement les mêmes plantes, mais on a gardé quand même certaines choses importantes. On retrouve quand même la rose, évidemment, qui est la fleur emblématique. On retrouve les pervenches, on retrouve les iris, mais qui malheureusement ne fleurissent absolument pas en même temps que les autres fleurs. Si on a un jardin, il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Il faut aimer. Et puis, c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps dans le jardin, parce que non seulement on travaille dans le jardin, mais si on ne le regarde pas, si on n'admire pas, c'est pas la peine de faire un jardin. On ne profite pas de son travail, on ne profite pas de la belle rose qui vous donne un petit clin d'œil dont on ne sait pas où, mais qui a la beauté, je trouve, quelquefois suprême. On a des choses extraordinaires au point de vue beauté. C'est le ciel qui change sans arrêt d'atmosphère, suivant le temps, suivant la lumière. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu de l'entente que nous avons au fond du cœur, cette lumière qui n'est pas toujours la même? C'est l'orage, c'est la colère, c'est tout. Et tout ça vient de la lumière. Et puis, si mon jardin n'avait que mes légumes et le jardin français, il manquerait encore quelque chose. J'ai besoin un peu de verdure, donc tout le printemps qui éclate avec ces, ces,
ces lilas, j'ai même un arbre de Judée, j'ai même un arbre de la passion qu'on voit un petit peu, mais avec des grandes épines, je ne sais pas s'il existe encore, mais avec mon enfance, on était impressionnés par les épines de l'arbre de la passion. J'ai peur qu'on me l'ait coupé parce que les jardiniers n'aiment pas beaucoup ces grandes épines qui sont dangereuses. Évidemment, comme le Christ l'a vécu, ça fait mal. C'est l'endroit où vous avez le plus de repos. Et quand vous voulez vraiment vous détendre, vous partez dans votre jardin. Je pense que c'est un petit peu ce que font les moines quand ils vont méditer dans l'église. Ils ne pensent plus, je pense qu'ils ont des soucis comme les autres. Et quand ils sont avec Dieu, ils sont, on en ressort détendu. Et moi, je trouve que quelquefois, le jardin, j'ai envie de le comparer un peu dans un, comme dans une église. Et les problèmes reviennent, mais ce n'est plus pareil, c'est autre chose. On s'est détendu et on va mieux après. Jaillissante dans les jardins, l'eau rend possible et représente la vie, la clarté, la pureté, la purification. Elle féconde la création, comme le Christ donne l'eau vive du salut. On l'écoute chanter au centre des jardins, coulant d'une fontaine ou contenue dans un bassin octogonal, symbole de la résurrection. Dans ce jardin irrigué, trône la rose qui couronne la Vierge Marie, fleur entre les fleurs, qui a donné vie et engendré le Fils de Dieu. Donc en fait, c'est assez intéressant de voir que comment ce jardin finalement est, je dirais, totalement naturel, enfin tout jardin est totalement naturel, mais je dirais il est lui-même, la verdure du jardin est elle-même alimentée par la source qui jaillit dans l'église. Donc le jardin est assez simple, hein. On a surtout mis des arbres fruitiers, de la vigne, de l'olivier. Donc l'olivier justement qui est ce symbole de l'arbre de la paix, hein, avec le rameau d'olivier porté par la colombe à l'arche de Noé, et qui est une des grandes cultures dans le pays. Donc on voit comment tous ces symboles aussi liturgiques s'enracinent dans une réalité concrète. De la même chose, donc on parlait de la source, et donc justement ce symbole de l'eau qui est extrêmement fort, qui est la denrée la plus indispensable à la vie, et on voit très bien avec le récit dans le livre d'Ézéchiel du fleuve de vie qui sort du temple et qui justement va même rendre fécondes des eaux qui sont stériles, les eaux de la mer morte qui n'ont aucune vie, par ce fleuve d'eau vive qui jaillit du temple, vont être rendues fécondes avec des arbres qui donnent du fruit, qui guérit et qui donnent sans cesse. Within the park, there were at least two rivers flowing through, as well as springs, and this water was then channeled into fountains and pools and ponds. So there was water everywhere. And of course, water can be a very practical material, but water is also very symbolic.
within Christian traditions. Water, of course, washes away sins, and water is used in baptism. There are very strong symbols and images from medieval Christianity where a fountain is placed at the center of paradise. And so this image of water, pure and clean, flowing out of a fountain is very, very central to aspects of Christian belief. And we would see this throughout the park. Votre campement, il fait combien de... Il y a une tente et une tente, une grande tente, une échoppe et un auvent. Et ça fait combien de mètres aussi à peu près? Environ 30 mètres carrés à peu près. 30 mètres carrés. Oh là, bah, il vous faut un grand espace alors. Là, à la limite, ça serait bien. On peut se débrouiller là-dessus. Ouais. Voilà, là-dessus, on se débrouille. Oyez, oyez, bonnes gens. Bonjour. Vous avez passé une bonne nuit? Oui. Ça va? Il n'y a pas plus. Oh, belle vie. Oh, bon, bah. Ouf, moi, je vais les faire chaud. Monsieur, est-ce que vous voulez du café? Oh, moi, je dirais pas non. Bon, oui. Allez. De toute façon, je vais aller en refaire. La côte de maille, vous la laissez là? C'est là, mais tu peux la mettre là-bas si tu veux. Ouais. Allez-y, servez-vous du sucre, celui qui en veut. Ça va, toi. À l'ancienne. Bienvenue à tous au Jardin d'Éden.
pour cette messe en plein air à l'occasion de la fête médiévale à Le Parc. Dieu nous aime et nous veut vivants. En son Fils, il nous rend la vie au-delà du péché et de la mort. Pour nous, le Christ s'est fait pauvre, mais sa résurrection relève ceux qui croient en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Il est un aspect aussi du jardin qui est intéressant, c'est que le Christ, au moment de la résurrection, apparaît dans un jardin. Et on nous dit que le tombeau était placé dans un jardin. Donc comme si l'accomplissement de l'histoire du salut nous renvoyait au début de l'histoire de l'homme qui se place dans un jardin. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et on a un certain nombre de représentations justement de l'apparition à Marie-Madeleine, et Marie-Madeleine prend Jésus pour un jardinier, où on a justement, comme nous sommes dans un jardin, une importance des fleurs, et notamment avec un certain nombre de rosiers. Et évidemment, cette image de la rose nous fait penser à, nous évoque, un élément fondamental dans l'histoire du salut qui est la Vierge Marie. Ce qui est important dans le fait de voir Marie comme étant une rose, c'est aussi de se dire qu'elle a une place toute particulière dans le paradis, une place centrale, et que tous les autres hommes ont aussi leur place, mais que nous ne sommes pas tous des roses, ou nous ne sommes pas tous des marguerites blanches. On voit bien dans le jardin comment il y a une variété de fleurs. Et c'est ça la richesse du paradis. Et c'est ça la richesse du coup de notre vie chrétienne. C'est que nous sommes tous des fleurs différentes les unes des autres. Et que nous faisons la richesse de ce jardin. Ah, bonjour. Sébastien, je te présente Sébastien. Ouais, je garde le stand. Non. Vous n'avez qu'à faire la visite guidée, profitez. Alors on a une très belle roseraie ici. Par ici, déjà, il y en a une autre par ici. Je l'ai vue, oui. Vous avez vu? Oui.